Le 18 juin 2023 marque une date un peu spéciale, il s'agit de la fête des pères. Pour Alexandra Rosenfeld, qui partage sa vie avec le journaliste Hugo Clément, elle est l'occasion d'adresser au jeune papa un beau message d'amour sur Instagram. Vivre la belle vie de famille, si est-il précisément ce que font Hugo Clément et Alexandra Rosenfeld. Entre les deux tourtereaux, il a suffi d'un tournage pour avoir le coup de foudre. L'ancienne Miss France et le journaliste étaient invités en 2018 à participer à Fort Boyard et c'est là-bas que leur béguin a commencé. Le jeune homme, qui a excellé auprès de Yann Barthès dans Quotidien, a donc dû rencontrer Ava, la petite fille de sa compagne. Il devenait ainsi beau-père et semble parfaitement tenir ce rôle. Elle, Ava, note de la rédaction, n'aurait pas pu ne pas aimer Hugo et je n'aurais pas pu tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle n'aime pas, avait confié Alexandra Rosenfeld à Téléstar. Puis le temps a fait son chemin et à son tour, Hugo Clément est devenu papa le 3 janvier 2023. Le couple a scellé son amour avec la naissance de leur petite fille, Jim. Un papa célébré devenir père, Hugo Clément le souhaitait profondément et ce malgré ses convictions écologiques. Dans les colonnes de Voici, il se confiait à ce sujet. Si certains refusent d'avoir des enfants, lui n'imaginait pas, sa, vie sans devenir père. Je crois que le problème ne vient pas du fait de se reproduire, si y est-il le fonctionnement normal d'une espèce, mais du fait qu'on détruit les écosystèmes dont on dépend pour survivre. Il faut expliquer aux nouvelles générations les enjeux qui les attendent, pour qu'elles puissent faire mieux que nous, précisait-il. Une mission donc qu'il semble accomplir avec brio. Samedi 18 juin 2023, comme beaucoup de papas, il a été célébré à l'occasion de la fête des pères. Après avoir reçu une petite carte de sa fille Jim, CEST s'accompagne Alexandra Rosenfeld qui lui a souhaité sa fête. Bonne fête à toi Hugo Clément, tu es un papa merveilleux, nos filles ont de la chance de t'avoir, a-t-elle écrit en story Instagram. Des mots touchants qui ont certainement fait plaisir aux journalistes.